dire que notre générateur offre les niveaux les plus élevés en termes de disponibilité, l'équipe de maintenance de Clark Energy veille à intervenir pendant les programmes de maintenance qui doivent être accomplis à des points spécifiques de la durée d'exploitation du moteur à gaz. Au jour d'aujourd'hui, notre moteur a atteint les 30 000 heures de fonctionnement et nous avons effectué cette importante semi-révision qui consiste à la révision des éléments suivants. Nous avons fait une révision complète du turbo, nous avons fait des contrôles mécaniques, des contrôles électriques, des contrôles des circuits de refroidissement, un contrôle du circuit de gaz et des contrôles des circuits hydrauliques. Tout ce qui est automatisme et régulation a été contrôlé. Nous avons aussi remplacé les paliers du vilebrequin. Nous avons remplacé tous les pistons, les culasses, les bielles et toutes les chemises. La durée d'exploitation est mesurée en nombre d'heures opérationnelles, appelée ici heures de fonctionnement. Le remplacement des produits consommables tels que l'huile et les filtres se produit généralement toutes les 2000 heures de fonctionnement. Clark Energy est partenaire dans l'objectif d'atteindre les résultats technico-économiques définis dans le business plan. Ceci se traduit par une atteinte de la disponibilité optimale ainsi que la pérennité et la fiabilité de notre centrale durant toute la durée de vie du projet dans le cadre d'un contrat de maintenance et de service assuré par le département de Clark Energy Afrique. Les maintenances intermédiaires programmées se produisent à des intervalles de 10 000 heures. Les résultats obtenus après 30 000 heures de fonctionnement confortent notre confiance auprès de Clark Energy. Et nous avons redémarré notre moteur pour faire un réglage de Norse, pour s'assurer que notre moteur fonctionne merveilleusement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site clark-energy.com.